Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode et aujourd'hui, nous sommes en mission. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Eh bien écoutez, j'avais envie de faire une vidéo goofy versus régulière, mais on va commencer par quelque chose de plus simple. On va faire du kickflip versus L-flip. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir avec vous sur différentes maps, faire des tricks, faire des lines sur différents spots, et à chaque fois qu'on les mettra en kickflip, on fera la variante en L-flip. En tout cas, on va essayer. On va voir ce que ça donne. Juste pour commencer sur cette map-ci, on va commencer avec un flip backtail sorti fakie. La même, mais... Ouah, c'est facile. Ça va être simple. Vous allez voir, ça va être simple. C'est sorti first try. Ça va être très sympa. On est parti. On vient dans le menu niveau et on va utiliser le randomizer de map. Nous voilà sur une chouette petite map. Et je sais directement où on peut aller. Venez ici, sur ces petits rails. Alors, on va commencer par un kickflip frontboard. Ou pas. Pas aller trop vite parce que les spots sont quand même courts. Oh, il était pas terrible, terrible. On va le remettre en mieux. Hein. Ok, voilà. Maintenant, on fait la même en L-flip. L-flip frontboard. Parfait. L-flip frontboard. Wow, c'est lent. Voilà. L-flip frontboard. Ce rail-ci est plus sympa, il sera certainement plus agréable pour pouvoir mettre des tricks. On va se mettre un flip front crook. Oh, presque. Voilà. Oh, la sortie dégueulasse. Pas grave, on le remet en L-flip. Qui avait une sortie tout aussi sale. C'était vraiment pas terrible, terrible. Ici, sur ce spot-ci, il y a moyen de faire pas mal de choses. J'aime beaucoup les ledges qui se trouvent là. Il y a des chouettes trucs. Et juste pour la forme, on va essayer de mettre un... Genre ouais, backtail, nose grind sortie heal, et on continue comme ça. On pourrait enchaîner autrement, genre crook, backside 5-0, inside flip. Donc si on suit la logique, on ferait crook, backside 5-0, inside heal. Excellent. Mais nous voici sur Rincon 4 blocs. Alors là, oui, là on a de la marge. On va pouvoir faire plein de tricks. Donc rappelez-vous, c'est une map qu'on avait déjà testée, bien sûr. Il y a l'embarras du choix. Voilà. On a le choix de venir sur le rail qui se trouve ici. On a le choix de venir sur le petit ledge qui se trouve là, qui est très chouette. On a ces spots-ci pour faire une run qui peut être extrêmement sympathique. On a bien sûr ce rail-ci. Évidemment, je pense que c'est ce qu'on va choisir. Ouais, on va se mettre là. Big spin flip. Frontboard. Ça commence mal. Alors, big spin flip frontboard. Deux try, du coup maintenant big spin heel, backboard, voilà, comme ça, c'était pas très très joli, on va le remettre en mieux. Bah, regardez-moi ça, la perfection, c'est magnifique. Mais du coup si on faisait en big spin heel, frontboard, on devrait le faire en inward heel. Oh, ça c'est plus compliqué en fait, j'avais pas pensé à ça. Voilà. Super. En manual, regardez, on a un chouette petit spot qui se trouve juste là. Nose manual sortie flip. On pourrait essayer un varial heel. Nose manual, chouette ça. Ah, comme ça. Oui, très bizarre. Ok, du coup, on va essayer de mettre un varial flip manual. Bon, il était dégueulasse, on va le recommencer. Au-dessus de la barrière. Alors, je vous propose de venir sur ce spot-ci. On flip back nose blunt. Allez! Et le flip back side nose blunt. Nope. Ok, nickel. Leur plaque était un peu bizarre, mais... Hop! On change de map. OSP Night by Boris. Rappelez-vous, on en avait déjà parlé aussi quand j'avais fait la vidéo sur le XXL Mode 3. Vous ne l'avez pas vu? Le moment c'est l'instant. On est donc parti pour... Ah, comment on est ? Bah, le rail là. Et on prend ça. Ensuite on prend ça. Et ensuite on prend ça. Faire ça un flip front board. Flip back lip. Flip front crook. Je sais pas si ça va être faisable. Et... Bon, j'ai fait un flip back nose grind à la place parce que ça va pas le faire. Donc du coup... Et le flip front board. Et le flip back lip. Oh. Et je pense qu'on peut dire que ça passe. Voilà, il y a un petit pas de manual. De
Nolly knows manual. Easy game. Parfait. Switch flip knows manual. Donc on peut le faire en switch. Là je vais pas aller assez vite. Quoique. Voilà, facile. Oh, flip back 3-6 manual. On va essayer en heal back 3-6 manual. Ah, presque. Dommage. Oh, l'arnaque. Le vol. Scandaleux. Remboursé. Oh, vas-y, ça compte. En fait, vas-y. Joker. Je prends un joker et j'estime que ça compte parce que il est tombé. Voilà. Gaz, light, allez, bye. Je ne sais pas qui, j'ai pas eu le temps de voir. Donc, où sommes-nous? Nous sommes sur un petit spot de street très sympathique où nous allons pouvoir enchaîner des figures. Regardez. Voilà, moi j'ai une idée déjà. Ici, avec un... What? Nolly flip, no slide. Suivi d'un Nolly heal, no slide, qui était... Oh, bah, qui est raté, hein. Ok. Et voilà. Nickel. Donc. Voilà. No slide sorti heal. Là, je fais n'importe quoi. Attends, j'ai une idée. Flip back tail sorti flip. En normal. Et c'est raté. J'ai cru que ça passerait. J'étais surpris moi-même. J'étais. Mais ça tue, hein. C'est un joli trick ça. Hop, regardez ça. Mais juste pour le plaisir, on cruise un tout petit peu dans le parc avec un truc dégueulasse. Je ne sais pas ce que. Oh, attends, regarde là. Ça doit être... ça serait terrible un spot comme ça en street en vrai. Ah, regarde, tu viens, tu jump. Hop. Comme ça. Zou. Regardez, du coup, on peut faire la même. Il flip. Oh, regardez, c'est beau. C'est magnifique. Hop, en switch nose manual, sortie fakitré. Hop, on fait le même. Ah, dommage. Non. Et enfin. Allez, let's go. On le met ce coup-ci. Regarde. Ou pas. Ah. Merci. Merci, c'est parfait. Allez, dernière petite map. Ah, je pense qu'on va pas faire grand chose. Lonsdale Skatepark est aussi un chouette petit parc, une chouette petite map. Laser flip. Crook. Très flip crook. Voilà, comme ça. La petite ligne toute bien, que je ne saurais sûrement pas refaire à l'inverse, mais c'est pas grave, on va en profiter. On va juste profiter de ce dernier petit parc pour mettre... des tricks complètement random, regardez, que du bonheur. On cruise sur la map, elle est chouette. Hop, 180, là on vient chercher. Regardez, on va faire une ligne là. Ok, super. Maintenant, petit ghetto. Très flip. Là, on revient avec un truc complètement bizarre. Et on termine sur une chute. Non, c'est pas possible. On peut pas finir sur une chute. Le traditionnel, je rentre pas tant que je l'ai pas mis. Vous connaissez certainement. Ou bien le c'est le dernier try et je le mets. On a tous un pote qui nous a fait ça et qui nous a fait attendre pendant environ 15 heures. Bien, merci d'être resté avec moi jusqu'ici, je vous remercie, comme d'habitude, vous êtes super, c'est vous les plus beaux, merci de votre soutien, n'oubliez pas le petit like, le commentaire, tout ça pour nous aider à faire remonter la chaîne dans l'algorithme. En attendant la prochaine, prenez soin de vous, bonne session, et à très bientôt. Ciao, ciao.